L'énergie sociale est élevée et vous pourriez donc rencontrer des gens avec votre partenaire. La monotonie n'est tout simplement pas votre tasse de thé. Essayez quelque chose de nouveau si l'ennui s'infiltre dans votre relation. Les affaires professionnelles évoluent à une vitesse fulgurante et vous êtes pris dans le tourbillon. Attention, votre partenaire est toujours sur le rivage et vous attend. Carte de tarot d'amour. Le soleil émerge de la carte de tarot d'amour à l'envers aujourd'hui. Lorsque la carte solaire apparaît dans sa position inversée, ses qualités semblent excessives ou atténuées. Vous pouvez sembler nécessiteux et désespéré. Ou vous pouvez vous comporter comme si le monde tournait autour de vous. De toute façon, votre comportement diminue vos chances de nouvelles romances. Une personne dans votre relation jouit maintenant des éloges et de la reconnaissance. L'autre partenaire se sent laissé à l'ombre. L'étincelle sexuelle disparaît de votre relation. Une personne attirante vous regarde attentivement. Vous supposez naïvement qu'il ou elle vous trouve attirante jusqu'à ce que vous remarquiez du papier toilette qui traîne de votre chaussure. Vous essayez de flirter avec quelqu'un, mais vos tentatives d'humour tombent à plat. Vous ressentez la piqûre du rejet lorsque votre invitation à boire est refusée. Ou vous continuez à blairer la personne jusqu'à ce que son nom poli devienne catégorique. Aujourd'hui, les étoiles vous disent de regarder dans le passé et d'en tirer des leçons. Tout ce qui se passe aujourd'hui est arrivé dans le passé et vous devez vous souvenir de ce que vous avez fait à l'époque pour le résoudre maintenant. Bien que ce ne soit pas grave et qu'il n'y ait rien qui ne puisse le résoudre comme quelques mots d'amour et souligner à votre partenaire à quel point vous l'aimez. Vous et votre partenaire êtes ensemble depuis longtemps et les tifs mineurs ne sont pas très inquiétants. Votre partenaire vous soutient beaucoup. Elle comprend ce dont vous avez besoin sans que vous l'exprimiez à chaque fois. Même maintenant, elle est sûre que tout va bien. C'est son espièglerie et un peu d'ego qui l'empêche de faire le premier pas vers la réconciliation. Par conséquent, vous devez le contacter et initier le processus. Prenez-le dans votre foulée et tenez-le contre lui. Après tout, tout le monde n'est pas pareil. Ces petites choses sont ce qui vous rend différent et rassemble l'essence du plaisir dans votre relation. En cas de désaccord mineur, ne le laissez pas dégénérer. En fait, vous avez tous les deux des personnalités très intéressantes, ce qui rend très difficile pour vous de vous quereller. Vous vous comprenez parfaitement et essayez toujours de rendre la vie intéressante l'un pour l'autre. Aujourd'hui, il faut des liens et non de grandes décisions. Alors rangez les biggies pour le bon moment. Couleur chanceuse, bleu pan et rouge vermillon. Numéro porte-bonheur, 12, 21, 23, 32, 46, 57.